Patricia, ça va? C'est quoi ce déguisement? Elle sent super bon cette huile. Je l'ai achetée à Belleville. À ta place, je serais morte de trouille. Mais je suis effectivement morte de trouille. Mais tu sais, il faut que je parte. T'inquiète pas, je ne lis pas. Je m'inquiète pas. Je regarde juste le carnet, il est très beau. C'est un truc chinois. C'est comme ça que j'aurais voulu acheter pour mes filles. Mais j'ai pas eu le temps. J'avais tous les papiers qui disent que mon frère est mort, que je dois rentrer et tout. Et j'ai quand même attendu 15 jours. 15 jours. Et maintenant, grâce à Dieu, il est là. Il rentre à Alger avec moi. Il est là? Sous nos pieds. Dans la soute. Dans son cercueil, oui. Il est resté 30 ans à Rouen. Et voilà le résultat. Attention à ne pas vous prendre les pieds avec le hijab. Ces escaliers sont très dangereux. Merci, c'est très gentil.
fois. Je vous dis un bon séjour. Au revoir. Bonjour. Je suis bien au 38 rue de Lillo. Boualem Atou. Famille Boualem Atou. Ah, famille Atou. Pardon, je vous Boualem Atou, est-ce qu'on a l'air? Ah, oui, est-ce qu'on a انت مصري يا ايوه مصري في الجزائر اي مش بيش ولا ايه مراته انت يا مرته مراته باين علي مراته ولا ايه لا مش شغاله اه محلي برك خليها خاطر جاز زور خالها أيوة. خليها تجوز يعني عايزه تدخل ولا أيوة. ايوه خلاص تفضلي انت دي دور رونتري علي سالو متشكرين يا اخي مرسي مع السلامه سيربريز سي لا مود ا باريس Bon, arrête, papa, hein. Il est libre. Non, mais c'est pas ce que vous croyez. On m'a dit qu'il valait mieux que je mette le hijab pour passer inaperçu. Bah, j'aime mieux ça. Parce que moi, les hijabs, les barbes et les bondieuseries, hein. Enfin, tu es chez toi. Tu t'habilles comme tu veux. Mais par contre, fais-toi accompagner par tout ailleurs. Parce qu'il y a des coins où tu ne connais pas la ville, alors. En fait, ici, il n'y a rien à voir. Il n'y a que des gens qui marchent. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, des voitures piégées explosaient ici. Ça les calmait pas, hein. Ça grouillait toujours autant. Tu veux pas qu'on marche un peu? Mais toi aussi, t'es comme eux. Tu veux marcher? Laisse tomber, on va se faire draguer à mort. Ils collent comme des mouches ici. Je roule comme une folle sur l'autoroute et je débarque ici. Je marche tout au long de la ville, je me pose, je me fais un ou deux joints et tout rentre dans l'ordre. Même les pêcheurs me connaissent à force. Mais pendant toutes ces années de violence, t'as pas eu envie de fuir? Non. Tu sais, j'ai fait partie d'une association de femmes. On a beaucoup milité. Et puis entre les réunions, les manifestations, les enterrements, t'as pas vraiment le temps de penser. C'est drôle, quand je t'écoute maintenant, j'ai vraiment l'impression que t'es blasé, que t'aimes plus rien. Blasé. L'Algérie est sauvée, c'est ce qu'on dit en tout cas. Ceux qui sont morts et ceux qui vivent, vivent. L'amnésie est à la mode. Maintenant, c'est chacun pour soi. Faut faire de l'argent et très rapidement. Tu vois, moi, j'ai pas ce problème. Mon père a réglé ça depuis longtemps. Tu crois que je peux téléphoner? Oui, bien sûr. Merci. Bonjour, c'est Yasmine. Oui, Yasmine Atou. Je suis à Alger. Je peux venir demain. Vous me donnez l'adresse exacte? Ça va? Qu'est-ce que t'écris? Des notes pour mon travail. Ah ouais? Des notes pour ton travail? Ouais. Bien sûr. Je t'assure que c'est une région vraiment dangereuse. T'es sûre de vouloir partir? Oui. J'aurais pu t'accompagner, je t'assure. Écoute,
Je m'en sortirai, t'inquiète pas. Fais attention. Tiens. Prends-le, ça pourra te servir. Merci, mais t'es dingue de te balader avec ça. Écoute, je te téléphone dès que j'arrive, d'accord? Oui. Et vous êtes venu jusqu'ici pour le retrouver. Oui. Vous êtes courageuse. Ou complètement folle. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce pays. Ici, c'est la guerre. Une de nos compagnies est tombée dans une embuscade. Nous avons eu beaucoup de morts. Deux de nos hommes ont disparu. Votre cousin en fait partie. Un de ces jours, peut-être, on trouvera son cadavre quelque part dans la forêt. Faut pas pleurer. C'était votre amoureux. Vous pouvez me dire où a eu lieu l'embuscade? Je crois vraiment que vous êtes folle. Monsieur! Nam Hadar. Wassala. Au revoir, mademoiselle. Thank you.
تعرفها؟ تعرفها باش جبتها للدار. بركي. وين على بالك لما تخدمش معاهم؟ بركي ولا ما تبركيش؟ قلت لك راهي جايه من فرنسا تحوس على الكوزه نتاعها. اوكي؟ تحوس على الكوزه نتاعها. رجال كامل كيف كيف. ديك تهدر معاكم وحده تجيها. عائشة قالت لك الحر؟ وشنو؟ انت جالوز؟ ما جالوز. فرانشمون شتها كيفاش عاملة؟ ما تشبه لوالو. معظمة مصفارة. إيه بس بيان. في كافولي. حس الحنين. سي سا. Elle a quel âge? Elle a 11 mois. On s'est décidé un peu tard. Un peu boucha. Quand elle aura 20 ans, je serai un vieillard. Dire de plus. Le convoi était composé de 3 camions. L'embuscade a eu lieu dans les environs de Borchreis. Comme je vous l'ai dit, le bilan a été lourd. 35 morts. Aucun survivant. Le convoi circulait près du col de Crache, dans le Hadou. Surprise, les difficultés de la route ont été exploitées par les terroristes, dont on connaît même pas le nom. Et Rachid? Je vous l'ai dit. Disparu, lui et un autre soldat. C'était sa première mission de terrain. Son premier et malheureusement unique contact avec les terroristes. À son arrivée, il avait été affecté au service administratif de la caserne. C'est lui qui a voulu aller en opération. Mais pourquoi? Je ne sais pas. On ne va pas toujours connaître les motivations des gens, vous savez. Et vous n'avez pas essayé de le retrouver? Qu'est-ce que vous croyez? La région a été ratissée. Les hélicoptères survolent jour et nuit les forêts. Surtout après ce qu'ils ont fait à nos hommes. Ils les ont tous décapités et mutilés. Une vraie horreur. Inimaginable. Des gosses de 20 ans. Ils ont eu le cœur arraché. C'est ça l'Algérie aujourd'hui. C'est comme si Dieu nous a laissé tomber. Vous pouvez me dire où se trouve Borchreis? Pourquoi? Pour y aller. Savoir. Savoir? Donc tout ce que je vous raconte, c'est du pipeau. Vous prenez pour la Ligue des droits de l'homme? C'est peut-être nous qui assassinons nos propres soldats? Hein? Khlas. Qu'il y a où est-ce que vous êtes, Khlas? Où est-ce que vous êtes? 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 ياك عندك خبر حتى واحد ما هو يسكن في برج خريس؟ نسيت المساكر ولا؟ وانا وين على بالي انا كيما تقول لي هكا؟ انا كتبت لي في ورقه كتبت لي برج خريس نديها لبرج خريس راه مبيع شي او. هو بيزار هذا. واش من بيزار هذا ونعرف الاخر الرومي يا سي محمد ما تدمنيش انت ما تعرف تقرا كتبت لي برج خريس او. مش خير هذا. ما تقدرش تعفس شويه. اسمع سي محمد هذا الطوموبيل تاعي وانا نسوق كيما نحب ما عجبكش الحال انا نقولها لك. مش خير هذا. مش خير يا. انا اخوك اسلم شويه اللي يطيح مني على ساعه او نعرف الطريق مليح نعرفها كي جيبي ما تكسرش راسك عليا او ديجا العسكر مرمصوا كلش وما زال راهم عقبها ديجا الموت وحده وربي واحد شبيك يا سيدي لا اله الا الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم يا اخي يا اخي سيدي ها بسبتهم ها وبدا سيدي المطر ها هذا خير ربي خير ربي ايه انا عمي مليح ها واش هو هذا؟ ها سيدي ذا واش داروا لنا هذا؟ يا سيدي واش هو هذا؟ يا ربي 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 يا واش راح ديري هنا؟ كاع مسلمين
علاش خليها تحقوها ندوها الأمر تاعها اليوم. اللهم ثبت اقدامنا في ديننا وانصرنا عن القوم الظالمين. اللهم انصرنا عن القوم الظالمين. اللهم انصر اخواننا في كشمير وافغانستان. اللهم اجعل الطريق المستقيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم حكم الصلاه. اسمي روسيا. Que dit la mère échauffe. Qu'est-ce que tu dis? درك نصلي ونولي عليك. يعاونونا هذو نعرفهم.
Mais Nanti, tu es pas française. Tu parles pas l'arabe. Tu viens de France direct dans la forêt. C'est pas normal. Je trouve pas ça normal. C'est les militaires qui t'envoient. Non. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur. Merci. Tu dois pas les remercier. C'est tous des hypocrites. Et toi? Dis-moi la vérité. Qui tu es? Qu'est-ce que tu viens faire dans cette région? Je cherche mon frère. Cherche ton frère? Tu sais, là, c'est le danger. Partout où tu vas, c'est le danger. Aïe, t'as oublié que barra. Aïe, aïe. T'as vu comment ils obéissent? C'est pire que des chiens. Pourquoi tu cherches ton frère, là? Il était dans un groupe de militaires. Et ils sont tombés dans une embuscade il y a à peu près 6 mois. Qu'ils aillent en enfer. 2 seulement ont pu se sauver. Attends, comment tu le sais? Je sais. J'étais dans cette bataille. Une bataille glorieuse. Rabbi Kanmaya contre les tyrans mécréants. Ils se sont sauvés? Jamais je lui mets les mains sur moi. Ils se sont sauvés? Je te l'ai dit. 2 seulement ont pu se sauver. Ils n'ont même pas tiré une balle, je les ai vus. Les autres sont en enfer. Alors, ça veut dire que ton frère, il est vivant? Madame, vous pouvez me dire où se trouve Médéa? Je vais pas voir. La ville, Médéa, la ville. Médéa, Médéa.
ما كاشهم ها اذبح وحرق Les scènes du ciel sont avec toi. Tu sais qu'elles sont rares, celles qui reviennent. Je dois retrouver l'autre soldat. Quel autre soldat? Celui qui était avec Rachid. Abdallah. Comment tu vas le retrouver? Je sais pas. Il est peut-être rentré chez lui. Vous pouvez me trouver son adresse? Tu crois qu'un déserteur retourne chez lui? J'en sais rien. Je verrai bien. Je suis fatiguée. Je voudrais fumer une cigarette. Ah non, on fume pas sous mon toit. Allons, ça va, toi. Tu sais très bien que moi, je fume. Pourquoi elle, elle ne fumerait pas? Avec ce qu'elle vient de subir, tiens. C'est la fin du monde. La fin du monde. Les femmes fument chez moi. Je dois aider des déserteurs. Il ne reste plus qu'à monter au maquis. Oui, c'est ça. Je sors téléphoner. Je vais trouver l'adresse du militaire. Sa famille habite à Timimoun dans le Sahara. Merci. On a coupé le téléphone à cause des insultes et des injures, nuit et jour. Attention que les voisins ne vous voient pas avec vos cigarettes. D'accord? Franchement, t'as vu? Dans ce pays, tu fais tout ce que tu veux, mais à condition qu'on ne te voit pas. Thank you.
وضع حاجز مراقبة. أجرت طموحي ولداني أغرقت لك ما أنساني صباح ورقة الفرقاني جرحي طال عشق من رقاني عدي يا خرجي عدي عشق الرحمن عدي يا قلبي وهدي من خلف الزمان نحيدك تحشموش خائم يا أخي Tu ne m'as pas dénoncé. Je te remercie. Bon, ça va. Pourquoi tu me suis ? Pour te protéger. J'ai pas besoin d'être protégée. D'accord, tu m'as sauvé la vie. Je suis sûre que tu es un gentil garçon, mais maintenant, il faut que tu ailles te cacher. Ça, c'est mon problème. Je reste avec toi, je te quitte pas. Tu parles bien français. Où est-ce que tu as appris ? Un peu à l'école et un peu à la télé. À la télé ? Ben oui. Avant, je regardais beaucoup la télé. J'avais même un parabole. J'étais branché sur des émissions, des chaînes françaises. Patrick Sébastien, Surprise, Surprise, des chiffres et des lettres. Ma série préférée était Alerte à Malibu. Et j'avais une émission qui m'a vraiment marqué. C'était Perdu de vue. Alors comme ça, j'ai appris beaucoup de mots. C'est vrai? Ben oui. Avant, j'étais tout à fait un autre. Je m'en foutais de tout. Dégoûté. Je faisais même pas mes prières. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Et là, un jour, ils ont tué mon frère. Pire que ça, ils ont tué mon deuxième frère.
Il a fallu que je parte. J'ai eu mon contact. J'avais la rage comme un chien. À la montagne, j'ai vu des choses pas possibles. Je faisais des choses comme un monstre. Même si j'ai pris toute ma vie, je sais que le bon Dieu ne va pas me pardonner. Et là, depuis un mois, je veux descendre. Je veux descendre pour me rendre. Car là, le djihad ne sert plus à rien. Et on ne sait pas pourquoi. C'est étrange. Avant le départ de Rachid, je ne m'étais jamais intéressée à votre guerre. Tu me parles de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. C'est difficile. Je suis née et j'ai grandi à Créteil, à côté de Paris. Mes parents sont venus en France il y a longtemps. Dans un an ou deux, je serai avocate. Tu seras une avocate? Alors tu me défends si j'ai un procès? Bien sûr. Bon, je vais dormir un peu. Pourquoi tu vas à Timimoun? Tu crois que ton frère est là-bas? لكن ميد لا أستادي وهي مجو حروف السودان بالي استهبالي حروف السودان بالي وهي ملتي دماء حروف السودان بالي وهي ملتي دماء لكن ميد لا أستادي وهي مجو حروف السودان بالي استهبالي حروف السودان بالي وهي ملتي دماء حروف السودان بالي وهي Tu as l'adresse de l'officier. Faut absolument que tu ailles le voir. Je peux t'embrasser, je suis ta sœur. T'es folle, t'es pas ma sœur. Ta grand-mère alors, ou ta cousine? S'il te plaît, pourquoi je reste pas avec toi? Sois gentille.
Vous pouvez lui dire que je sais que son fils, Abdallah, est parti avec mon cousin. Je veux les retrouver. S'il a une idée de l'endroit où il se cache, qu'il me le dise. C'est important pour moi. راح مع عبد الله ما على بالكش وين راحوا ناس العسكر راهم كتبوا باللي عبد الله مات في جبل شهيد رب العالمين يوفقوا للجنه اللي لي جون لارمي كري عبد الله يمور على لا مونطان يا ايرو ديو بروتاج ا باراديس سي تو vous comprenez pas ce que je vous dis ils sont pas morts ils ont déserté ils ont échappé au massacre je suis sûr qu'ils sont venus ici écoutez moi je veux juste retrouver mon cousin c'est tout عندك الحق تبقي هنا ولا درك نولي غبي Je suis sûr qu'il ment, il n'ose même pas me regarder. Il est très énervé, hein? Rien faire ici. Vous sortez, attendez-moi dans la rue. Deuxième tour, je te parle. Mon père, beaucoup énervé. Tu as l'argent de France? Oui. Alors. Alors. Abdallah est venu la nuit avec un militaire. Il ne parle pas l'arabe. Ils étaient tous les deux malades, comme des fous. Comment ça, comme des fous? C'est toi, Abdallah. Il est cinglé, comme ça. Mon père le ramène à la caserne pour le soigner. L'autre français ne veut pas. Quel français? Il parle français, c'est tout. Rachid? Je ne connais pas le nom. Il parle français, si tout ceci. Mon père il ramène la nuit chez Adjia, l'aveugle. C'est qui? C'était une femme. Un vieil. Il habite un endroit assez bizarre. Et c'est une maison, c'est quoi? Il travaille avec les camions de pétrole. Et c'est où ça? C'est facile, tu trouves. À 100 km la route de Béchar. Avant d'arriver à la base. Encourage. J'ai plus d'argent. Comment? Toutes les éléments, je t'ai donné. Oui, mais c'est beaucoup d'argent. Oh. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai que ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Salam alaikum. Alaikum salam. J'ai plus rien. Ne touche pas la main. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. باش ما نعاونوكم لا والو. خلاص حنا كملنا كيما قلنا. بارك الله فيك. مي سي تام ميراكل. On se rencontre partout. Bonjour. Bonjour. Bah que l'Algérie c'est petit. Je comprends maintenant. Qu'est-ce que vous comprenez? Que vous êtes journaliste et que vous faites ça en secret. Pourquoi vous dites ça? Parce que votre déguisement, vous voyagez comme ça seul dans le désert, vous n'êtes pas touriste. Pourquoi pas? Dans ce pays, il y a bien longtemps, il n'y a pas de touristes à Hassara. Où vous allez? Moi, je descends un peu plus au sud. Moi, je vais à Timimoun et je reviens vite.
بسوار. Je pense pas. Il faut le laisser. Il est resté réveillé toute la nuit. Tu comptes rester longtemps? Je sais pas. Ça te plaît pas que je sois là? Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Shkunja? C'est moi. Une amie est venue me voir. Une amie? Pourquoi tu m'as pas prévenu? Tu veux nous attirer des ennuis? Elle ne doit pas rester. Sinon, vous partez tous. ما ديري لي كيما مولات ندير لك هيا نعيش الشيطان انا عيين هيا خلينا نروحوا هيا شوفي ديري له كيما العاده وخلينا نروحوا هيا علاش علاش صار هكذا لا يدلكي هو فرمينا ميري دات ليلو صلو Goutour mire, data le lo salam. Leo ki ruki pihari daram mehe. Dekho te ka chamka chamka tum mehe. O mire tum 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 ya me le lo. Khlas, nroha. Agda saha, agda trohi l-bishar. Hai. La poste rapporte par ailleurs que de nombreux incidents rapportent
Merci. Ça, Nadia. J'ai l'impression... Arrête. Le thé de Nadia est fantastique. Tu veux que je parte, hein? Tu sais où tu es ici? Non, justement. Depuis que je suis dans ce pays, je ne sais jamais où je suis. En quelques jours, j'ai l'impression d'avoir vécu les trois quarts de ma vie. Rachid, tu réponds jamais à mes questions. Je retourne voir Abdallah. Tout à l'heure, il avait de la fièvre. Yasmine. Yasmine. Tu es la fiancée de Rachid? Ouais, si on veut. Vous parlez bien français. Oui, je parle bien français. Il faut que tu partes. Je m'occupe de Rachid et d'Abdallah, c'est déjà difficile et dangereux, mais toi en plus, c'est pas possible. Les gendarmes circulent beaucoup en ce moment. Tu sais ce qui arrivera s'ils se font prendre? Je sais, ils ont déserté. Et dans ce pays, on rigole pas avec les déserteurs. Si ton ami veut partir, qu'il parte. Abdallah reste. J'ai promis à son père. وزيد يا محاينة لقالوا لومبيرونس باش تحطوا للدزاير. في الطريق زدرنا اكسيدون. علاش ما ماش هنا في الدزاير كما الناس الكل حتى يروح يموت لي لهيك يا. رانا قريب نلحقوا عند عالجية العبيد. سأل على نادية. أي واحد سمارة كنتونا مربى يا معايا. دير لك واش حبيت. ومن الفوق زيد تغني لك بالإنجليزية. على خير يا منى. Je ne sais pas te revoir un jour. Si tu savais ce que j'ai vécu. Faut plus penser à ça. C'est fini maintenant.
Je suis en train de faire un peu de temps.
faut qu'on se parle, Rachid. Quoi? Putain! On est ensemble, on vit ensemble. On est bien tous les deux et brusquement tu disparais. Ça fait 7 mois. Tu trouves ça normal? Non. Alors parle! Tu te souviens les images du massacre? Les photos de cette femme sur les couvertures de journaux. Partout. La madone. Tu avais pleuré. Moi, ça me faisait cauchemarder. L'Algérie me faisait cauchemarder. Alors que j'y avais pas mis les pieds depuis l'âge de 10 ans. Toi et l'Algérie, ça s'embrouillait. Fallait que je parte. Ça s'est incrusté dans ma tête. Je me sentais trop lâche pour t'en parler. Dès que je suis arrivé à Alger, on m'a mis dans une caserne. Comme je n'avais pas fait mon service militaire en France, il fallait que je le fasse en Algérie. On m'a foutu les boules et en même temps, j'avais l'impression d'être venu pour ça. Pour plonger dans la violence. Défendre mon pays. Peut-être con, mais c'est comme ça. J'ai rencontré Abdallah. Il m'a fait découvrir des choses. Un autre monde. Et ces salauds terroristes l'ont rendu fou. Viens sur mes épaules. Allez, te porte. Les terroristes nous ont accrochés. Alors que les copains ripostaient, nous, on a sauté du camion. On s'est caché dans les broussailles. On a tout vu. Le massacre. Dans le moindre détail. L'horreur à l'état pur. Abdallah s'est figé. J'ai cru qu'il était mort. Après, les autres sont venus nous chercher. Comme s'ils connaissaient exactement le nombre de soldats qu'il y avait dans le camion. C'est incroyable qu'ils ne nous aient pas retrouvés. Tais-toi. Oh. Votre corps m'évanouir comme une goutte en pure douceur.
Baisse la radio, j'arrive pas à me concentrer. جبتي كلش كلشي راه واجد وي هذا كامل تعالوا تروحوا ديجا باوي نروحوا نجوزوا ريفيون في لاباز جابوا كاس متزاير الليله غادي تترو بلا محايلكم سي نورمال راح نجوزوا للقرن الثالث 21 كريتين اي والله دركا الثالث ولا 21 كيف كيف حنايا باش نزهاو خلاص بركات Et surtout, vous n'oubliez pas de ramener de la semoule et du café. Et les capotes, c'est pas fait pour les chiens. Vous me vendez une bouteille de vin ? J'ai un beau mascara, la cuvée du millénaire. Y a pas mieux contre l'ennui. Ah mais je m'ennuie pas.
moins 20 ans que j'ai pas fait une tarte. Les pruneaux sont sur l'étagère à côté du réchaud. Alors ? Alors ? Quoi ? Tu t'en vas ? Tu t'en vas pas ? Je pense pas à ça. Tu l'aimes tant que ça ? Vous pensez que si je l'aimais pas, je serais dans ce trou perdu de fin du monde ? Que j'aurais supporté toute cette violence, traversé ce pays de fous ? Je sais pas. Ça pourrait être autre chose. Quand Rachid est parti, je vivais comme une somnambule. Mais chérie, je savais que tu allais venir. Ah, j'ai failli ne pas venir. J'étais à deux doigts. J'étais invité à Dar al-Aria. Attila, c'est le principal. Tamam. Alger sur la route. Maintenant, elle est là. C'est le dessin. Mais non, c'est l'amour. L'amour. Le champagne est arrivé. Le champagne est chaud, faut pas le laisser refroidir. Les petits, venez boire un verre. Laisse-moi. Oma, dis-moi ce que tu vois. De ma vie, je n'ai pas vu un ciel pareil. Tout est en relief. Les étoiles, la lune, merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. Jamais j'aurais cru arriver à ce jour. Enfin, cette nuit. J'espère que tu m'as dit quelque chose. Parce que... je vous réveille en spécial.
Le soleil, les astres du ciel, témoins du désastre. Et les esprits africains observent nos massacres. Les vents s'acharnent à couvrir notre histoire de poussière, de voile, de viol, de mort et d'arbitraire. Les ombres du passé ne veulent pas disparaître. Une Algérie se meurt dans une autre en train de naître. Les ombres du passé ne veulent pas disparaître. Une Algérie se meurt dans une autre en train de naître. Dans ma nuit je prie, j'appelle les esprits. Décris les hommes autour de moi, tout est détruit. Dans ma nuit je prie, j'appelle les esprits. Mes cris résonnent autour de moi, tout est détruit. J'ai dans les yeux les larmes de mon grand-père. Et j'ai dans le ventre la rage d'un mercenaire. J'ai dans la poitrine des battements de tambour. Et mes jambes ne pratiquent pas le demi-tour. Une seule route existe à travers ce désert. Un seul souffle sur terre pour parler ou se taire. Une seule route existe à travers ce désert. Un seul souffle sur terre pour parler ou se taire. Dans ma nuit je prie, j'appelle les esprits. Mes cris résonnent autour de moi, tout est détruit. Dans ma nuit je prie, j'appelle les esprits. Mes cris résonnent autour de moi, tout est détruit. Hawaïe, 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 Hawaïe.